patchouli, pâte gaz, le guide du routard dans la poche, avec Krishna à mort. Le guide indispensable des Antilles. Donc il est disponible sur la librairie maritime Nautiquay et il est vraiment très très bien fait. Donc c'est une référence et c'est une bible des Antilles, on va dire, pour pouvoir naviguer en toute sécurité. Si vous décidez d'aller à Grenade, vous avez les cartes avec tous les waypoints d'approche, les mouillages à faire. Vous avez également les informations pratiques de Grenade, les liaisons aériennes, les fêtes, les visites touristiques, la réglementation, les formalités. Ce matin, je me lève énervé. Mais bon, Jacouille a eu sa journée. Il faut qu'elle continue à me casser les nouilles. Avec Jacouille, on n'en cassera pas que les nouilles. Ah ouais, là, mais les couilles. Ah oui, mais tu, il dit pas pourquoi. Pourquoi? Parce que je bois un petit rhum de plus parce que c'est son anniversaire. Ouais. Excusez-moi, je plaide coupable. C'est bon. Oui. On a rangé les kayaks. Ouais. Oui, c'est ça. Mais je te laisse pas parler parce que sinon tu vas inventer encore des trucs. Ouais, c'est ça. On a rangé les kayaks à leur place. On a 118 000 à faire. Nous partons sur Chaguaramas à Trinidad. Ce qu'on va faire, comme il fait chaud, on va dormir ici. On va baisser la table et on va la mettre dans le carré. Comme ça, et comme il y a 118 000, on va faire les quarts de nuit cette fois quand même. Parce qu'il risque d'y avoir des pêcheurs. Donc Trinidad, c'est pas loin du Venezuela. Donc il peut y avoir des pêcheurs. Donc ça a été compliqué à faire ce papier là. 119 000 à parcourir, ça souffle. On va compter 20-24 heures pour y aller avec deux riz tranquillement, sans forcer sur Blacky. Donc nous partons sur Trinidad, là comme ceci, donc on aura une direction plein sud et nous avons du vent de nord-est, c'est ce qui était prévu déjà il y a une semaine, donc on va se retrouver trois quarts arrière, je crois qu'on va avoir de la pluie dans la nuit et ça pourrait même des grains orageux, ça j'aime pas trop. 118 000 à faire ensemble les bananes. Donc pour l'instant les voiles sont mal réglées parce qu'on a des vents de petit Saint-Vincent, petite Martinique, petite Dominique et Cariacou, donc ça va dans tous les sens. J'ai bordé la GV pour éviter que ça en panne sans arrêt et je laisse le phoque passer jusqu'à la petite Dominique là-bas. On aura un bord qui sera beaucoup plus franc. De riz et le phoque. Et on arrive demain matin à Trinidad. Alors la mer est un peu agitée. Entre Trinidad et puis ici, il risque d'y avoir du courant, donc on va se faire un peu secouer la tronche. Ça va pas être très agréable pour 24 heures. Et il a été conseillé de passer à 10 000 à l'est de la plateforme pour éviter la piraterie vénézuélienne. Donc là, c'est un lagoon 420 contre lagoon 440, je crois. À peu près, ils ont à peu près la même toile. Même voilure. Et Jacouille est fatigué, elle a trop bu hier. Voilà. Alors quand je dis que la mer est brouillon, je me plains pas. C'est juste un constat de la mer. Parce qu'une fois on a vu une réflexion là, d'un imbécile en disant arrêtez de vous plaindre, gnagnagna. On fait que constater les éléments. On n'est pas là pour vous dire oui la mer est magnifique et tout, j'ai le meilleur des bateaux, je suis super confortable parce que j'ai un catamaran. Non, voilà, la mer est dégueulasse, la mer est dégueulasse, pas nous emmerder celui-là. De l'air magique. Youhou. Voilà, merci Patrice et Jean-Marie alors. Hein. Merci hein. Je vous montrerai plus tard le petit leurre. En fait, on a fait une grosse erreur depuis le début. On mettait des gros leurres. Donc qui dit gros leurre dit gros poisson, mais gros poisson c'est plus rare que les petits. Et en fait, il y a un bateau banana là qui nous a dit ah mais faut mettre ces petits poulpes comme ça. Et vous allez voir, vous allez attraper parce qu'ils n'arrêtaient pas d'attraper. Je dis mais c'est bizarre, on n'attrape rien. Et du coup, on a chopé un barracuda qu'on a rejeté parce qu'on n'a même pas trouvé avec la gratte et tout. Avec le petit antécédent qu'on a eu dernièrement, c'est pas trop quoi. La petite Jacouille a dormi quasiment toute la journée. Il y a un beau coucher de soleil, un bon petit rhum. Donc nous on a réduit la voilure pour rester au niveau de nos amis. On est exactement à la même vitesse. Deux riz, du phoque. Et on devrait arriver donc toujours demain matin. Donc on va être trois bateaux. Là il fait chaud humide. Ouais.
Ouais, normalement il va pleuvoir cette nuit. Là. On s'éclate un tout petit peu quand même pour la nuit. On les a bien vus, on les capte bien sur le radar parce que Marcel et Bernadette, ils n'ont pas d'AIS émetteur. Donc nous on les voit pas, eux ils nous voient, ils reçoivent. Et voilà, on s'éloigne un peu de bateau en bateau pour éviter d'être trop près pour la nuit. Quand même, pas prudence. Attends, petit déjeuner, on sera arrivé. Voilà, on va arriver tranquillement. J'ai calé notre vitesse pour arriver à 5h, 6h, non 6h. Faut pas qu'il y ait plus de vent parce que sinon on est déjà réduit en toile. Et tu leur as pas dit si c'était bon le poisson. Et oui, et le poisson, premier poisson là qu'on a filmé, excellent. C'est et deuxième maï-maï. Ouais, je vais vous montrer c'est quoi le leurre. Donc il fallait, donc ça c'était une grosse erreur a priori parce que on comprenait pas, ils faisaient que pêcher eux. Et on dit mais là c'est pas possible. Et en fait le leurre était trop gros. Et puis il fallait qu'ils s'enfoncent un peu dans l'eau, ça vient pour pas attraper trop de sa place. Ouais, donc on va mesurer à peu près, on va filmer ça avec la GoPro. Alors regardons ensemble la taille du leurre. Il est pas grand. Putain, il s'est fait bouffer encore. Oh la vache! Ah, je sais pas ce qu'il a mordu là, mais il s'est fait niaquer le pauvre. Donc à peu près, regardez, un index. Voilà, il tient dans la paume. Pas plus grand que ça, et ben ça marche. Ça marche. Erreur de notre part depuis un petit bout de temps. Alors l'océanique, c'est bien les gros leurres. Mais là sur les Caraïbes, vous voyez pas le plus gros. Ça se dit ça, fruit de notre pêche? Pêche de nos fruits au coucher de soleil. Cette nuit sur la route, on va passer à côté de plateformes pétrolières et de gazéifières. C'est quoi ça? Gazéifières. Donc on va passer à 2000. Et donc là, je vous disais, a priori, pour notre sécurité, il faut passer à 10 000 à l'est de la plateforme Hibiscus pour notre protection. Voilà, c'est ce qui est conseillé. Et ensuite, on va arriver près de la terre comme ça, on va longer, on va passer par là. Le Venezuela est ici. Alors, vous ne voyez pas, moi je vous vois. Bateau à manœuvre restreinte, il est en train de tirer une barge, a priori, derrière lui. Et nous a demandé de modifier notre cap. Car il est en train de tracter une barge. Et donc, on va passer, nous, sur son tribord. Donc, avant, il y avait une étiquette, parce que je ne sais plus ce que c'est, Port Said. Et tu m'as retiré l'étiquette. Ouais, ça va. Bah oui. Port Said et Starboard. Starboard sur le tribord. Donc bah, la bonne nouvelle, le CPA augmente. 0,743 000. Donc voilà le remorqueur. Il nous a appelé pour nous prévenir. Et derrière, il y a un tout petit point vert, c'est la barge. Et là, on connaît des personnes qui sont déjà passées entre la barge et le remorqueur. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Ils ont dématé, il y en a qui sont passés par-dessus. On connaît plein d'histoires comme ça, donc toujours méfiance quoi. Quand le CPA augmentera, donc on va passer au plus près à 0,700 000 dans 1 minute 50. Quand il va augmenter, on sera en sécurité, on pourra reprendre notre cap. Donc là je suis remonté au vent, j'ai lofé pour éviter la route de collision. Mais souvent on se dit bah, c'est bon, il y a l'AIS, on voit le bateau sur l'AIS, mais les remorques n'ont jamais d'AIS. Donc bah, on apprend encore et toujours se méfier. Finalement, quand on a un bateau en route de collision, et ben bah, même si on se dit bah, c'est bon, ça va passer, bah, s'il a un câble avec une remorque derrière, ça passera pas. Ça passera pas. C'est comme ça que tu fais ton quart de nuit? J'étais pas en quart, c'est toi qui étais en quart. Jacouille va faire ses trois premières heures et je reprends les trois autres, ok? Tu vas te coucher? Ouais, je vais me coucher. Bonne nuit, capitaine. Bonne nuit. Tu surveilles bien, hein. Donc Jacouille, ses quarts, va les faire sur l'ordinateur, je le sens. Oh, y a deuxième bâton en route de collision sur là, du monde. C'est, hein. Là, c'est un relier. Il est dans la même dimension que nous, non? Ouais. En fait, on le rattrape ou quoi? Je sais pas. Il y a un cargo qui va se faire ravitailler en pleine mer, là, c'est deux bateaux, depuis tout à l'heure j'essaie de les éviter. Ouais, il a fait à 180 degrés. Il a dit qu'il faisait des travaux, boy, il faisait des travaux.
Travaux bourrailles. Ouais. Ah bon? Bah, c'est ce que j'ai compris. Travaux bourrailles. Donc là, c'est bon, je passe à leur starboard. Les plateformes pétrolières de gaz et de Trinidad. Bref, c'est ça, pas Noël. On est à 17 nœuds là. Oh là là, ça booste là. Il y a combien? Il y a 40 nœuds devant. C'est quoi ce bazar? Bébé, il y a 40! Ce soir-là, en plus de s'être fait dérouter trois fois de suite par une barge, par un voilier et par un cargo, vers 2h du matin, on se fait surprendre par un grain, un méchant grain, un grain à casse. Donc si vous voulez, on va analyser ensemble notre façon d'agir à ce moment-là, au fur et à mesure de ce grain. On a tout filmé, vous faites très sombre, c'est la nuit évidemment, sinon ce serait trop facile. Ça arrive toujours la nuit ces trucs-là. 45 nœuds, coup de grain violent là. On a vu les orages au loin là. On va laisser passer. Je me suis mis au portant. Se mettre au portant, pour moi, c'est la meilleure solution. Imaginez, ça souffle déjà 40 nœuds, 45 nœuds. Heureusement, j'ai deux riz et le foc réduit ce soir-là parce que j'ai décidé de rester non loin des bateaux copains. Copains, ils ont enregistré 54 nœuds. Imaginez, Black Lion, je veux baisser les voiles. Vent souffle. J'avance comme ça, le vent va se mettre de travers. Nous, on sait que nous risquons la catastrophe. Se mettre face au vent, c'est tellement violent, les voiles vont vaciller, je sais que je vais tout casser. Donc la meilleure solution, c'est de prendre la fuite, border les voiles au maximum près du chariot. Le foc, c'est pareil, c'est portant, on va y revenir après tout à l'heure. Et prendre la fuite jusqu'à temps que ça passe. On croit encore qu'on fait du cinéma là. 40 nœuds. C'est 40 nœuds violents. On est à 13 nœuds. Heureusement, j'avais déjà deux riz. J'arrive pas à m'y faire hein, quand ça monte à plus de 40 nœuds là. Ça me. Je tremble de partout. Là, Blackie, il est bien dedans. Hein, mais alors, moi, dehors là, ça fait trop de bruit le vent. Bon, je vais arrêter parce que je tremble et je filme en tremblant. Je viens de refaire 17 nœuds, 17 nœuds, 17 nœuds, ouais. Oh là là, et devant ça fait. Regardez les étraves là, c'est impressionnant quoi. Oh qu'est-ce que j'aime pas ça. Oh j'aime pas ça. T'es un bon bateau, Blackie, t'es un bon bateau. Si vous nous suivez sur ces vidéos, vous savez que la jacouille a tendance à vite paniquer, à s'énerver, à faire du n'importe quoi pendant ces moments-là. Alors qu'il faut rester assez calme. Cette fois-là, elle a pris sur elle. Elle est rentrée dans le bateau pendant que je gérais à l'extérieur. Pendant ce temps que j'étais à l'extérieur, elle filmait ce qui se passait par la fenêtre de Black Lion sur le côté. Au début, évidemment, dans ces moments-là, on pense qu'on va tout casser, qu'on va se retourner, qu'on va démater, tout ça. On panique très très rapidement. Et je trouve que cette fois, on n'a pas trop mal géré. Parce que c'est pas notre premier gros coup de vent comme ceci. Malheureusement, c'est un fait. Le climat change. Premier tour du monde, on n'a jamais eu autant de coups de vent. Celui-ci, c'est le troisième ou quatrième et on n'a rien vu venir une fois de plus. Voilà, on est au moins à 17. Oh là là! On est monté à combien? On est monté à 17. 17. 40 nœuds, ça diminue pas. Hein. On a le grain derrière, là. Purée les bananes, c'est dans ces moments-là que vous vous dites mais qu'est-ce qu'on fait ici, quoi? Évidemment que dans ces moments-là, on aimerait regarder un Walt Disney dans son lit, bien au chaud, sous sa couette. Mais voilà, c'est ce qu'on a voulu, c'est la vie qu'on a envie d'avoir. Il n'y aura pas de bande d'arrêt d'urgence pour s'arrêter, pour attendre que ça se passe. On peut se mettre à la cape, mais comme je vous dis, moi c'est la décision que j'ai prise. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Je préfère prendre la fuite et attendre que ça se passe. En général, ça dure toujours entre 30 minutes et 1 heure. C'est très long. Ça paraît pas grand chose, mais c'est très long. Ça paraît pas comme ça, mais je vous assure que ça bouge. Heureusement, dedans, il est hyper calme. Oh là 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 là, mais regarde-moi ça. Mais c'est quoi ça? Mais ça va se calmer, oui. C'est chaud. Ça me rassure. C'est chaud. Il y a la pluie qui a cassé, là, le rouleur. On est monté à combien? 19? 19. Donc nous sommes au portant. Sur Black Lion, nous avons une chance incroyable, c'est qu'il tient le portant parfaitement.
Le portant est une des allures les plus compliquées à tenir pour un pilote automatique sur beaucoup de bateaux. On a vraiment la chance que Black Lion le tienne droit, car je contrôle Black Lion sans la barre, je fais tout au pilote. Donc je suis à 175 degrés du vent. À 175 degrés du vent, je n'ai pas le droit à l'erreur. Je ne peux pas me permettre un empannage dans 50 nœuds de vent, même avec deux ris dans la voile. Je tiens le pied, ça me rassure. Devant, il y a une grosse barge. Donc j'espère que ça ne va pas nous faire changer notre cap là. Ça, c'est pas de l'adrénaline. Wow. Deux riz, un morceau de phoque, 19,7 nœuds exactement, Black Lion. Ça sera la vitesse qu'il fera ce soir-là. J'aime pas ça. J'en peux plus. Je pense qu'on n'a pas de casse. L'annexe est toujours là. Ouais, on verra quand il va faire jour. Mais c'est monté jusqu'à combien là? 45 au portant et on est allé à... Non, c'est ça, 45 vrai, je crois que j'ai pas trop tout vu là, autant que je remballe. Mais on est allé à combien le max? 19 plus 19 de. Viens battre notre record de vitesse. Ouais, bon, enfin, avec deux riz. On l'aurait pas battu, ça me dérangeait pas. Ouais. Le stress. T'as vu, c'est bizarre, hein, ça nous donne soif de suite, ouais. Quand on stresse, hein. Il faut toujours boire, ouais. Ah ouais, soif, c'est... Tout, on a soif, on a la bouche pâteuse et tout. Et une fois de plus... On va commencer à s'habituer à ces fameux coups de vent. Il y a une chose que nous avons remarqué, on a soif, mais on a la bouche qui s'assèche à une vitesse. Je pense que c'est le stress qui fait ça. Et par moments, c'est horrible tellement qu'on a la soif, on est dans la tourmente et on veut boire absolument, alors pas du rhum, bien sûr, mais de l'eau, mais des litres et des litres d'eau. Ah, c'est 45 nœuds, violent. 40 nœuds, je sais qu'on peut le faire avec le Black Lion quand on sait que ça va être établi en Océanie. Mais alors là, c'est un 45 nœuds à tâche. Puis en plus, il y a des plateformes pétrolières, des bateaux partout. Il y a des cargos partout. Et là, en plus, on est en train de partir sur le Venezuela. J'aime pas trop ça, quoi. Alors, nous étions restés correctement sur les 10 000 à l'ouest de la station Hibiscus, la plateforme pétrolière. Évidemment, je suis en fuite et le vent souffle d'ouest. Donc, je m'en vais à vitesse grand V sur le Venezuela. Et nous sommes plus qu'à 25 000 de Trinidad. Mais évidemment, ça ne nous rassure pas. Et c'est rempli de cargo, de bateaux, de barges, de tout ça. Et on ne voit rien. On ne voit rien du tout. On croise les doigts qu'on ne se prendra pas dans un filet. On croise les doigts qu'il n'y aura pas une barge qu'on n'aura pas vue. C'est assez compliqué à ce moment-là. Pas trop ça, j'ai le bord m'emmène sur le Venezuela là, et là devoir le mettre les moteurs, il reste 22 000. Blacky, on plonge dans les vagues là. Alors si vous voyez le phoque passer, c'est parce que je suis en plein portant. Alors, je sais que vous allez m'attendre au tournant, parce que la fois on avait filmé sur le cap d'Ambre à Madagascar, il y en a qui ont dit « ouais, c'est n'importe quoi, c'est du cinéma, on dirait un mauvais film d'horreur ». Si le phoque faceille comme ceci, c'est que je l'ai ramené au plus près du mât et bordé le plus possible. La GV est rapprochée au plus proche et bordée le plus possible. Il y a une triangulation avec les haubans. La GV sert de retenue également pour le mât avec l'été. Tout est bordé. Je ne suis pas là à régler les voiles au portant. Je suis là pour que le mât ne tombe pas. Donc, il est serré. On trace, on fuse mal réglé. Et évidemment que le phoque, il est déventé par le peu de grand voile qu'il y a. Imaginez si les voiles étaient réglées correctement, nous faisions 19,7 nœuds. Je n'ose même pas imaginer la vitesse que nous ferions à ce moment-là.
les petites alarmes que vous entendez, c'est stressant en plus. Mais il est déjà trop tard pour les annuler parce que il faut faire plusieurs petites manipulations sur son écran. Et ce sont des alarmes de bateau vitesse élevée, vent élevé. Donc bateau vitesse élevée, Black Lion, je le mets à 12 nœuds. Et évidemment, on fait souvent la 14-15 nœuds, donc beaucoup plus, jusqu'à 20 nœuds. Le vent, évidemment, qu'il est à plus de 25 nœuds. Et voilà, il est déjà trop tard. Donc je vis avec ce stress des petites alarmes. Presque à donner, avoir envie de donner un coup de marteau dessus tellement que c'est stressant, mais c'est pareil, c'est déjà trop tard, je suis trop concentré sur le cap à tenir de Black Lion. Non, il passe sur le côté, il passe derrière. Vous voyez cette bande jaune? Cette bande jaune sur le radar, il n'y avait rien avant. On s'est vraiment fait surprendre par ce grain. Il a dû se former juste au-dessus de nous, quoi, juste derrière nous. Parce qu'en temps normal, quand vous voyez une grande bande jaune comme ça sur le radar, quoi, ou rouge selon la couleur de votre écran du radar, c'est pas bon du tout. À chaque fois, c'est pas bon. Si ça prend sur 12, 24 000 et tout, baissez vite les voiles avant que ça soit trop tard. En temps normal, je suis au courant de ça, mais cette bande est arrivée après. Je me suis concerté avec les copains qui étaient là à ce moment-là et également ils n'ont rien vu venir, on s'est vraiment fait surprendre, comme quoi on en apprend tous les jours. Hein? Tu sais, tu t'es chié dessus? Non, je vais faire caca dessus si je pense à l'être. Ben vas-y, hein. Il s'est accroché, il est en train de réduire la GV là. Même si elle était réduite, là il reprend des riz parce qu'il y a moins de vent. Le vent est en train de diminuer entre 35 et 40 nœuds. Je sens que c'est le moment de sortir et de prendre mon troisième riz. Pas baisser les voiles entièrement, prendre mon troisième riz et continuer à prendre la fuite. Donc même par cette force de vent, voile bordée au maximum, même vent réduit, je ne veux pas me mettre face au vent. Je sais que c'est là que je risque la catastrophe. Donc, je borde la grand voile au maximum, au plus près du chariot, au centre. Et j'ai déjà deux riz, donc j'ai plus beaucoup de voilure, mais je galère à descendre cette grand voile. Black Lion n'a pas de prise de riz automatique au poste de commande et comme dit la jacouille, c'est vrai que ça serait plaisant dans ces moments-là parce que c'est toujours assez impressionnant de sortir sur le pont. Alors, nous avons une grande lampe sur le pont, c'est important aussi d'avoir une lampe sur le pont qui nous permet de tout éclairer. Avoir une bonne lampe torche également, c'est important. Pendant très très longtemps sur pirate.com, on n'avait pas de bonne lampe. Un jour, on s'est pris un coup de vent et on n'avait rien pour voir, rien du tout. Et là, maintenant, nous sommes équipés. Important d'avoir à bord du bateau.
la poulie de l'enrouleur du phoque a cassé par la violence. C'est la seule petite casse que nous avons constatée pour le moment. Il faut absolument que je puisse réenrouler, prendre 2-3 tours encore sur le phoque. Et je dois réparer absolument cette poulie. Et je prendrai donc dans l'idée de retirer la drisse du Jennaker pour faire passer la drisse de l'enrouleur. Car même si on n'a pas beaucoup de toile sur le phoque, dans cette force de vent, c'est très très dur à enrouler. Nous sommes non loin des côtes, comme je disais tout à l'heure, bateau de pêche, filet de pêche, tout travaille en nous disant si dans cette force, dans cette mer tourmentée, on se prend un filet de pêche, une barge avec un remorqueur et tout, quelle catastrophe. Donc là c'est un peu la roulette russe parce que dans ces moments-là, je suis concentré quand même, je fais tout pour éviter, mais un filet de pêche, jamais vous le verrez. Il y a un bateau là qui nous passe devant, là, il n'y a pas d'AIS. Il n'est pas très loin, j'espère qu'il n'est pas en train de chaluter. Quoi. On arrive. Je vais pas dire qu'on commence à s'habituer, mais ça commence à en faire pas mal, des petits coups de vent comme ça, avec le changement climatique. Avant, on avait 35 nœuds dans les coups de vent. 35 nœuds, c'est quelque chose d'assez normal. On disait, oh putain, on s'est pris un 35 nœuds, on a ramassé. Et là, j'affirme que depuis ce voyage, depuis 3 ans, je trouve que c'est un peu trop souvent qu'on se prend des 50 nœuds en pleine mer. Donc, on y est préparé. J'avais de riz dans la grand voile, un bout de phoque. La jacouille est restée calme, j'ai pris la fuite et finalement tout est bien qui finit bien, hormis une poulie cassée ou peut-être un peu plus, ça sera dans une prochaine vidéo. Les bateaux copains, Marcel et Bernadette. Ils ont déchiré, ils se sont bien sortis la bande UV de leur génois. Donc ils s'en sortent très très bien. Le bateau copain, ils ont déchiré le génois et la grand voile. Et derrière, il y a le bateau qui arrive que maintenant, 7 heures après tout le monde. C'est celui qui nous a collé au cul cette nuit là. Celui qui me faisait dérouter, qui met aucune lumière et tout. Et a priori, il y a une voile sans rouleur qui n'aura pas réussi à rentrer. Voilà. Alors ça, je sais que c'est un problème récurrent des voiles sans rouleur dans le mât. Bon, ben, l'Afrique du Sud, j'ai cassé justement parce que j'avais plus qu'un moteur, je suis arrivé à la voile. Et c'est au moment où le bateau s'est mis face au vent, le peu de phoque que j'avais, ben, c'est là où ça m'avait fait virer les vis du profil. C'est là où la poulie, elle est partie aussi. Donc voilà, à réfléchir, à méditer sur ça ou pas. La jacouille s'est fait engueuler par le douanier. Vous savez tous les papiers qu'on a fait là, on a mis des heures à faire les papiers, à envoyer à tous les mails, à tout le monde. On arrive là-bas, on descend, parce que quelqu'un nous dit ici que c'est bon, bah, si vous avez fait tous les papiers, vous pouvez descendre à l'immigration. L'immigration, ils arrivent, ils nous disent, mais vous avez été voir le service santé, tout ça? Non, on va aux douanes, et aux douanes, elle se fait engueuler en disant, il faut voir le service santé. Là, il faut aller voir le service santé, mais on a notre passe de Trinidad. Donc ils nous disent, vous retournez de suite au bateau, donc on n'est toujours pas clair. On retourne au bateau et du bateau, on reçoit un message en disant envoyez-nous tous les papiers que nous avons déjà envoyés, mais au moins une dizaine de mails. Hein. Oui. Voilà, tout ce qu'on a fait, il a fallu tout recommencer une fois sur place. Donc, il est 11h moins le quart et on vient de recevoir un message qui nous dit je souhaite que ça se fasse aujourd'hui. Parce qu'on est vendredi, on a tout fait pour être là vendredi, on s'est pris 45 000 dans la gueule. Et. C'est pas gagné l'histoire. Parce que évidemment on a fait tous les papiers sur un site, mais en fait aucun bureau n'est relié à ce site en fait. Donc il faut refaire tous les papiers une fois arrivé. Donc on a fait des papiers à l'immigration, j'en ai rempli 8
plus des copies faites sur carbone, donc il y en a pas mal. Plus ils ont fait des photocopies des copies qu'on avait fait, bref. Et des douanes ici. Donc là, ça va, il n'y en avait que deux papiers. Du coup, bah, ils nous ont pas compté d'overtime hein, parce qu'on est arrivé ce matin et puis que le monsieur de la santé est pas venu à bord du bateau parce que je sais pas si vous avez vu le temps, il pleut et donc il a pas voulu venir se mouiller. Donc on a fait tous les papiers là et puis avec une dame qui parle français, c'était super pratique. Mais ça fait combien de temps qu'on est là? Eh ben ça fait une heure déjà. Hein mmh. C'est bien les papiers, ça fait partie du voyage. Toujours prêt comme les scouts, me dit la jacouille. Toujours prêt comme les scouts. Ce matin, on n'a pas filmé. Mais il y a une chose qu'on aime bien, c'est quand on arrive à un endroit, on est toujours fatigué, on veut se poser, tout ça. Mais nous, avec la jacouille, on se dit rien. Et puis d'un seul coup, on commence à prendre une éponge, de la lessive. Ouais, et puis et le bateau à fond en premier. Voilà, et c'est le bateau, Blacky. Parce que c'est Blacky quand même, c'est notre petite maison flottante et tout. Et on veut toujours être prêt à repartir au cas où. Donc ce matin, là, nettoyer. Black Lion à fond, extérieur, intérieur, dessaler Black Lion. On a checké avec ce coup de vent qu'on a eu si tout allait bien. Donc franchement, nous on s'en sort très bien. En plus, on avait acheté ce qu'il fallait pour la poulie. Pour la poulie, oui, parce qu'on a oublié. En fait. On a tellement profité sur les Saint-Vincent et Grenadines qu'on l'a même pas fait. Mais on avait acheté à la Martinique pour réparer la poulie. Et voilà, donc au cas où, ben, Black Lion est prêt à repartir. Et maintenant, on va pouvoir profiter de Trinidad. Et on est en train de réfléchir, savoir si on sort Black Lion ou pas pour la vidange des Sail Rive. C'est pas que pour ça, mais la direction aussi. Ouais. Vous savez, ce petit problème récurrent, savoir si on peut faire ici. Mais je crois qu'on va, on va le faire ici. En fait, c'est parce que c'est vraiment pas cher. Climatisé, il fait bon, hein, on va dormir dans le bus. Ah ouais, il y a la clim. Vous le reconnaissez? C'est le clochard de Canoine. Il vient d'y avoir un coup de vent de nord. Putain, en ce moment, ils accumulent les coups de vent. Hein. Oh putain. Vous allez voir, la mer est dégueulasse. Mon capitaine est malade, il est allé se coucher tellement ça bouge. Et mon capitaine. Ça va? Putain. Je vais te malade pour la première fois de ma vie au bateau. Serais-tu barbouille? Ah bah, c'est un truc de fou, ça déferle. Je sais pas comment tu fais pour rester dans la chambre hein, parce que ça bouge. Hein. Je suis un vrai marin, je suis artiste. Ah. Je suis marin, un peu artiste. Il est barbouille. Oh la honte. Oh la honte. Attendez, je vous montre là. Oh la honte, il est barbouille. Et regardez. Non mais c'est quoi ce mouillage? T'as vu, hier? Soleil, c'est orange. C'est l'orange. Ouais, c'est ça. Oh là là, il va dégueuler. Il va dégueuler. Putain, on s'est couché à 10h du coup du matin et on s'est réveillé à 13h et ça s'est calmé. Le calme après la tempête. Eh ben, on est ramassé hein. Il y a le tournage d'un film sur un catamaran à Chaguaramas.